Bonjour et bienvenue à ce sixième chapitre. Alors aujourd'hui nous allons parler des distributions. C'est un chapitre assez copieux, mais pas très difficile. Et surtout, dans cette vidéo, vous allez voir un certain nombre d'informations que je vais distiller et qui vont vous permettre de résoudre très facilement les exercices, à la fois dans les séances de TD, mais aussi à l'examen. Donc on passe tout de suite à la première définition, c'est l'espace D. Donc, l'espace D, c'est l'espace des fonctions à valeur complexe, définies sur R, qui sont indéfiniment dérivables, et à support borné. Donc, le support, je rappelle, c'est l'ensemble des points de l'espace sur lequel F n'est pas égal à 0. Donc, cet ensemble n'étant pas fermé, on va prendre le plus petit fermé qu'il contient, et ça, c'est ce qu'on appelle le support. Donc, ce qu'on entend par là, ce qu'on entend par l'espace D, c'est une fonction qui, en dehors d'un segment, est nulle, et qui, par contre, est dérivable, et en fait même indéfiniment dérivable. D'accord? Ce sont des fonctions qui sont de source réelle, donc la dérivée, c'est une notion qui est bien définie. Il n'y a pas du tout de fonction holomorphe, parce que les fonctions holomorphes, je le rappelle, c'est des fonctions qui, de toute façon, vont de C dans C. Ici, ce sont des fonctions qui vont de R dans C. Sachant que la plupart des fonctions qu'on va considérer ici sont même plus simples que ça va être très souvent des fonctions qui vont de R dans R, mais par contre qui vont vérifier la propriété d'être indéfiniment dérivable et à support borné. Il y a un exemple fondamental hein, que vous pourrez démontrer, qui est que cette fonction-là, qui est l'exponentielle de moins 1 sur a carré moins x carré, donc c'est défini sur deux ensembles, il y a l'ensemble moins a plus a sur lequel la fonction vaut ça, et l'ensemble moins l'infini moins a union a plus l'infini sur lequel la fonction vaut 0. Et bien cette fonction est effectivement un support borné, on le voit très clairement, mais en plus elle est indéfiniment dérivable, et donc il n'y a pas de problème non plus sur les points qui peuvent être un petit peu litigieux, qui sont les points a et moins a. Donc on vérifie que tout marche bien, que c'est bien une fonction qui est dans l'espace D. Alors, la première propriété, c'est que si vous avez une fonction qui est dans l'espace D, c'est infini, un support borné, eh bien, la dérivée, c'est aussi c'est infini, et c'est aussi un support borné. Donc, si on a eu un peu de mal à trouver une fonction de D, ben, on peut par contre en trouver plein d'autres en simplement les dérivant, une fois, deux fois, trois fois, puisqu'on a la propriété de la stabilité par dérivation. Autre propriété intéressante, c'est que une fois que vous avez une fonction de D, qui est donc c'est infini à support borné, il suffit de le multiplier par une fonction indéfiniment dérivable, quelle qu'elle soit, alors ça devient une fonction qui reste indéfiniment dérivable et qui est à support borné, et donc qui est dans D. Donc on a la stabilité par multiplication par une fonction indéfiniment dérivable, même si cette fonction indéfiniment dérivable n'est pas à support borné. Alpha, je n'ai rien supposé sur le support de alpha. Ensuite, on a la notion de convergence dans D. C'est-à-dire que quand on a une suite de fonctions, dire que cette suite de fonctions converge vers une autre fonction, ce n'est pas quelque chose d'explicite. Il faut définir cette notion de convergence. Par exemple, on avait vu jusqu'à présent la convergence L1, la convergence L2, la convergence L infini. Donc là, par exemple, comme on a des suites de fonctions dans D, il va falloir dire ce que ça veut dire que phi n, cette suite de fonctions, converge vers phi dans D. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en dehors d'un ensemble borné, tous les phi n, qui est le même pour tout n, tous les phi n sont nuls. Donc, phi n de x est égal à 0 pour x n'appartenant pas à l'ensemble B. On peut donc travailler sur cet ensemble B. Et en fait, on a aussi l'autre propriété, qui est que phi n converge vers phi au sens de la norme sup, et non seulement pour la fonction phi n moins phi, mais aussi la fonction phi n moins phi prime, donc prime pour tout le monde, phi n moins phi seconde, et même toutes les dérivées. Donc, quelle que soit la dérivée que je prends, quelle que soit la dérivée k que je prends, eh bien, on a la convergence uniforme de phi n dérivée km vers phi dérivée km. Okay? Donc, ça, c'est la notion de convergence dans D. Alors, ça c'était l'espace D, ce n'était pas l'espace des distributions, c'est l'espace D, une espace de fonction.
Maintenant, on va définir ce que c'est qu'une distribution. Une distribution, c'est simplement une forme linéaire continue, c'est-à-dire une application linéaire continue de D vers R. Donc, quand c'est une application linéaire qui est d'un espace vectoriel vers l'espace vectoriel R, donc on dit que c'est une forme linéaire. D'accord? Et une forme linéaire continue. Donc, ça veut dire quoi? Continue, ça veut dire que si on a phi indice n qui converge vers phi, alors t de phi indice n converge vers t de phi, où t est notre distribution. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a défini la convergence phi n vers phi dans d, puisque ensuite on va pouvoir définir qu'est-ce qu'on entend par une application qui est continue de l'espace d vers r. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on montre qu'une forme linéaire sur D est une distribution? Eh bien, ça, c'est très important pour les exercices, puisque vous aurez un certain nombre d'exercices, au moins en TD et peut-être en examen, qui vous demandent de montrer que telle ou telle forme linéaire est une distribution. Ben, dans ce cas-là, il faut prendre une suite phi n, supposer que cette suite phi n vérifie la propriété suivante, qu'elle est nulle en dehors d'un ensemble B, et que pour tout cas, phi n dérivé km converge vers la fonction nulle en norme sup. C'est-à-dire qu'on va prendre une sup sur t de phi n k de t en valeur absolue si vous avez des fonctions à valeur réelle, ou bien en module si vous avez des fonctions à valeur complexe, converge vers 0. Donc ça, ce sont les deux hypothèses que vous prenez sur les phi n. Eh bien, essayez de montrer grâce à ces deux hypothèses que t de phi n, donc ça c'est la notation pour t de phi n, pour l'image par t de la fonction phi n. T de phi n converge vers 0. Et t de phi n, comme c'est quelque chose qui est soit dans R, soit dans C, eh bien, c'est quelque chose qui est très facile à montrer par rapport à la convergence vers 0, c'est-à-dire on va prendre le module et on va essayer de majorer par quelque chose qui tend vers 0. D'accord? Donc une suite de réels ou une suite de complexes qui tend vers 0, ça ne pose pas de problème de définition, on sait ce que c'est le module ou la valeur absolue qui tend vers 0. Par contre, une suite de fonctions qui convergent vers 0, là on est obligé de préciser la signification de ça. Bien, donc ça c'est vraiment important d'avoir ça en tête, et évidemment on va voir un certain nombre de propriétés qui sont les exemples classiques. Donc ça, un exemple très important qui sont les distributions régulières, c'est les distributions qui s'écrivent comme l'intégrale de phi par rapport à une fonction. Hein. Vous avez une fonction ici, f, qui est localement intégrable, c'est-à-dire qu'elle est intégrable sur n'importe quel segment AB. Okay. Et pour une fonction intégrable sur n'importe quel segment AB, l'application qui a phi associe l'intégrale de f fois phi et ce qu'on appelle une distribution. On arrive à montrer que c'est une distribution et la terminologie associée, c'est qu'on appelle ça des distributions qui sont régulières. Ça va couvrir beaucoup de distributions, mais pas toutes. Notamment l'exemple phare, l'exemple classique, c'est la distribution de Dirac. À phi, on associe simplement phi de 0, ça c'est pour un Dirac, simple. Et lorsqu'on dit qu'on a un Dirac au point A, à phi, j'associe phi de A. D'accord? Par exemple, le Dirac de base, c'est simplement un Dirac au point 0, puisqu'on prend la valeur de phi au point 0. Donc, comme exemple, distribution régulière, distribution de Dirac, et puis vous avez des exemples un petit peu plus exotiques, qui sont la distribution à valeur principale, donc ça vous verrez la définition, c'est intéressant, c'est important. Et puis, d'autres distributions, un autre exemple, comme vous voyez ici, celui-là, est beaucoup moins classique, vous pouvez vérifier que c'est une distribution, mais c'est un peu moins important que la distribution valeur principale, ou bien la distribution Dirac, ou bien les distributions régulières. Donc voilà, donc là vous avez d'autres exemples, vous pouvez les lire, hein. C'est quelque chose qui permet de vous familiariser avec la définition des distributions. Alors, la propriété importante, j'ai dit que les distributions régulières, ça formait une classe assez large de distributions, mais pas toutes. Et notamment, un Dirac, ce n'est pas une distribution régulière. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de fonction localement intégrable telle que TF est égal à delta.
Donc, vous pouvez lire cette démonstration. Il y a eu une année où j'ai posé cette démonstration en examen, de façon un petit peu cachée. Donc, il fallait un petit peu réfléchir, reproduire plus ou moins cette démonstration, mais pour quelque chose qui n'était pas exactement, mais qui en tout cas ressemblait à ce problème-là. D'accord? N'hésitez pas donc à lire cette démonstration. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les distributions? On peut les dériver. Suivant quelle formule? La formule, c'est celle-là. C'est que toute distribution est dérivable. On appelle, à partir d'une distribution T, on appelle T', la distribution dérivée, par la formule qui est celle-ci. T' appliquée à une fonction de D, fonction C infinie à support borné, c'est moins T appliquée à phi'. D'accord? Donc il y a un signe moins ici. Et on applique T, donc ça on sait ce que c'est, hein. T c'est notre distribution de départ, appliquer cette fois la fonction dérivée de phi. Ici je regarde, on voit un prime ici et ici, mais la notion est différente. Ici on dérive une distribution, et ici on dérive une fonction. D'accord? Là, des exemples de la formule, là j'ai dérivé une distribution de Dirac au point A, et je l'ai dérivé k fois, et on a une expression qu'on peut démontrer très simplement à partir de la définition. Alors ça, très important pour les exercices, très important pour l'examen, les examens, puisque c'est tombé assez souvent dans les examens des années précédentes, et peut-être que ça tombera dans le futur, on ne sait pas. Donc, c'est la formule des sauts, c'est-à-dire que on va pouvoir calculer très facilement la dérivée d'une distribution qui est une distribution régulière. D'accord? On ne va pas dériver une distribution qui n'est pas régulière. Si vous voulez dériver une distribution qui n'est pas régulière, une distribution quelconque, il faut revenir à la définition. Par contre, pour la formule des sauts, c'est quand vous avez une distribution régulière, il y a quelque chose d'un peu plus direct que la définition. Alors c'est quoi? Donc il faut que vous ayez une fonction qui soit de classe C1 par morceau. Donc là, vous avez donc un certain nombre de points. Hein, donc A1, AP, donc on va avoir F qui est C1 sur moins l'infini A1, C1 sur 1 A2, C1 sur A2, A3, etc. Et vous avez des limites à gauche et à droite en chaque point. Et à ce moment-là, la distribution dérivée de TF, c'est la distribution régulière associée à F'. D'accord? Donc on sait ce que c'est qu'une distribution régulière, on l'applique non pas à la fonction F, mais à la fonction F'. Et puis, on va sommer sur le nombre de discontinuités, 1 jusqu'à AP. C'est pour ça qu'il y a une formule des sauts, parce que au point AI, c'est typiquement les points où il y a une discontinuité. Donc on appelle ça un saut lorsque on a une limite à droite et une limite à gauche qui sont différentes. Et qu'est-ce que c'est que sigma de F de AK? C'est simplement la différence, le saut, entre que fait F lorsqu'il franchit A. Donc c'est la limite à droite, ici F de A+, moins la limite à gauche. Donc on a simplement cette différence-là qu'on calcule très facilement, et puis une masse de Dirac au point AK. D'accord? Une distribution de Dirac au point AK. Voilà, donc ça c'est une formule très très importante, et il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, on l'utilise seulement sur des distributions qui sont régulières. Là on peut regarder l'exemple, vous pouvez regarder l'exemple 6-3-2, qui est l'exemple avec la fonction de Heaviside, avec donc un seul point de discontinuité qui est le point 0, et quand on va appliquer la formule des sauts, eh bien on va avoir à dériver la fonction qui est constamment égale à 0 ici, puis constamment égale à 1 ici. Donc vous allez pouvoir dériver sur un ensemble qui est R moins étoile, union R plus étoile. En 0, ce n'est pas défini la dérivée, mais ce n'est pas grave. Donc F', elle va être égale à 0, puisque c'est une fonction constante sur R étoile. Elle n'est pas définie en 0, mais ce n'est pas grave parce qu'on s'intéresse simplement à des fonctions qui sont égales presque partout.
Donc, si on a une fonction qui est nulle sur R étoile, elle est égale presque partout à la fonction nulle. D'accord? Donc, le premier terme disparaît, puisque c'est la distribution régulière associée à la fonction nulle. Et puis, comme on n'a qu'un seul saut, on a une masse de Dirac au saut, qui est en 0. Et l'écart entre la limite à droite et la limite à gauche, ou à l'endroit du saut, c'est 1. Donc, c'est plus 1. Parce que la limite à droite moins la limite à gauche, c'est. Là, on va pouvoir multiplier des distributions. On a une formule de multiplication des distributions qui est celle-ci. Donc, alpha fois t appliqué à phi, c'est t appliqué à alpha fois phi. D'accord? Ça, c'est par définition. On verra en exercice comment on dérive la multiplication d'une distribution par une fonction C infinie. On a une petite formule qui est celle-là. Et puis aussi, on a une autre formule qui est utile, qui est que quand j'ai une fonction C infinie, je multiplie par une masse de Dirac en A, ce qui va. C'est exactement pareil que si vous avez une distribution de Dirac en A multipliée par une constante qui est la valeur de alpha en A. C'est-à-dire alpha peut prendre n'importe quelle autre valeur. En fait, la valeur qui compte, qui va compter parce que vous avez multiplié par une distribution de Dirac en A, c'est la valeur en A. OK, donc vous avez une petite proposition avec une preuve intéressante pour une distribution. Voilà, ça c'est juste la preuve qui est intéressante, c'est pas le résultat, mais vous pouvez regarder la preuve. Elle peut servir dans des exercices. Alors là, on a un certain nombre de propriétés, sont des définitions très simples. Vous pouvez les regarder. C'est juste une propriété assez immédiate en fait. Une fois qu'on a posé la définition, on a un certain nombre de propriétés assez immédiates, très simples, que vous pouvez regarder. Pas besoin de les retenir. Hein. Si jamais il y a un exercice qui est lié à ça, vous repérez cet endroit-là dans le poly, puis vous y revenez, il n'y a pas de souci, c'est très facile à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur l'espace des distributions, qui est l'espace des primes. Et on a regardé un certain nombre d'opérations qu'on pouvait faire sur des distributions. On pouvait les dériver, on avait vu. On peut aussi essayer de définir une notion de limite. C'est-à-dire qu'une suite de distributions, on dit qu'elle converge vers une autre distribution T si, ben, quel que soit le phi que je prends, Tn de phi converge vers T de phi. D'accord? C'est comme une sorte de convergence, c'est ce qu'on appelle la convergence faible, mais c'est une sorte de convergence, comment dire, ponctuelle. C'est-à-dire que pour tout phi, Tn de phi, l'image Tn de phi converge vers T de phi. C'est comme si vous avez une suite f indice n de x, une suite f indice n converge vers la fonction f, si pour tout x, fn de x converge vers f de x. Donc là, c'est un peu pareil. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle la convergence faible. Donc, on a défini la notion de convergence pour les distributions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait vu tout à l'heure que la masse de Dirac, ce n'est pas une distribution régulière. Mais par contre, pour cette notion de convergence dans l'espace des distributions, eh bien, on peut trouver une suite de distributions régulières qui vont converger vers la masse de Dirac. Donc, on peut approcher la masse de Dirac par une suite de distributions régulières. Donc, ça aussi, c'est un petit théorème. Il faut savoir juste le résultat, et puis si vous regardez la preuve, eh bien vous pouvez la regarder simplement pour vous entraîner à utiliser un théorème qui est très important dans le cadre de ce cours, qui est le théorème de convergence dominée, hein, qu'on avait vu depuis le deuxième chapitre, et qui est vraiment à la base de la preuve. Donc ça, c'est intéressant, c'est très simple à démontrer. Vous n'avez pas besoin de retenir simplement les hypothèses. Seulement, si jamais vous avez utilisé ça, évidemment, il faut vérifier que les hypothèses sont bien valides. Alors, on va définir ensuite les distributions tempérées. Donc, on avait défini ce que c'était une distribution, et bien maintenant, on va regarder une sous-classe des distributions qu'on appelle les distributions tempérées. Et dans cette sous-classe, on va pouvoir définir ce que sont les transformées de Fourier de ces distributions. C'est pour ça que ça a été construit. On voudrait, en fait, définir un transformé de Fourier, une distribution T par cette formule-là. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que ça, quand je prends une fonction phi dans D, la transformée de Fourier de phi reste dans D. Or, ce n'est pas vrai. Si vous avez une fonction C infinie à support compact,
Ça transforme un mètre Fourier, mais pas nécessairement, c'est infini à support compact. D'accord? Donc du coup, on va essayer de restreindre. C'est un espace trop large, on va essayer de restreindre tout ça. Donc, on va regarder en fait l'espace, les fonctions non pas C infini à support compact, mais les fonctions qui sont C infini, et telles que phi et toutes ses dérivées sont à décroissance rapide. C'est ce qu'on avait dit, l'espace de Schwarz. Donc, vous avez une définition que vous avez vue dans le chapitre précédent sur les transformées de Fourier, que je rappelle ici, donc elle est un petit peu différente, cette définition, mais elle est équivalente à celle que vous avez vue dans les transformées de Fourier. D'accord? Des fonctions C infinies, telles que toutes ces dérivées, en fait, sont dominées, vont plus vite vers zéro que n'importe quel polynôme. Donc, c'est des fonctions à décroissance rapide. Non seulement phi est à décroissance rapide, mais aussi toutes ces dérivées. Et là, ce qu'on a vu dans le chapitre précédent sur les transformées de Fourier, c'est que l'espace S, l'espace de Schwarz, est laissé invariant par la transformée de Fourier. Et c'est ça, cette propriété-là qui va nous intéresser. Donc quand on est dans l'espace S, comme tout à l'heure, hein, comme pour les distributions, on va essayer de définir ce que c'est que la convergence dans S. La convergence dans S, c'est par rapport à tout à l'heure, c'est quelque chose qui ressemble, sauf que ce qu'on rajoute en plus, c'est ça, c'est ce x puissance p. Donc on va avoir phi n moins phi converge vers 0 dans S, ou phi n converge vers phi dans S, ça veut dire simplement que toutes ces dérivées, quand je dérive à l'ordre Q, tend vers 0, au sens de la norme sup, mais plus vite que n'importe quel polynôme. Donc vous avez sup sur x, dans R, de x puissance p, n'importe quel p, de la dérivée qm de la différence, qui tend vers 0. D'accord? Donc c'est ça la définition de la convergence dans S. Une fois qu'on a la notion de convergence dans S, eh bien, on peut trouver des fonctions qui sont des distributions tempérées, qu'on appelle tempérées, c'est des fonctions qui vont former, qui vont être à la fois des formes linéaires, mais aussi qui vont vérifier la propriété de continuité, c'est-à-dire que si phi n converge vers 0 dans S, alors t de phi n converge vers 0. Voilà. Continuons. Si on veut trouver une classe assez importante de fonctions qui vont être des fonctions qui vont être des distributions tempérées. Si on veut trouver une classe assez importante de distributions tempérées, eh bien il suffit de regarder des fonctions qui sont localement intégrables et qui supposent, et on suppose que pour un certain p, on va avoir l'intégrale de f de x divisé par 1 plus x puissance p est inférieure à l'infini. Alors, cette distribution, on savait être déjà une distribution, hein, c'est ce qu'on appelle les distributions régulières, cette distribution régulière est une distribution tempérée. Donc toutes les distributions ne sont pas des distributions tempérées. Il faut, c'est une sous-classe. C'est une sous-classe. Donc l'espace S', c'est une sous-classe de l'espace D'. Et cette sous-classe est couverte par exemple par des distributions des distributions régulières avec une condition supplémentaire sur F. Les masses de Dirac sont des distributions régulières, ça aussi on le verra en exercice. Donc maintenant on peut multiplier une distribution par, non pas une fonction C infinie, mais les fonctions qui sont dites à croissance lente. Donc là on va revenir un petit peu en arrière à la définition d'une fonction à croissance lente. Donc c'est ici OM, d'accord, les fonctions à croissance lente, c'est des fonctions telles que si on dérive à n'importe quel ordre notre fonction, on sait qu'à une constante près, elle est majorée par un polynôme. Donc ça ne va pas aller plus vite vers l'infini qu'un polynôme. Ce n'est pas une décroissance rapide, hein, c'est simplement qu'elle est majorée par un polynôme. Donc, si on a une fonction qui est à croissance lente, eh bien on peut multiplier par une distribution tempérée suivant cette formule-là, qui est la même formule que celle qu'on avait vue pour les distributions, multipliées par une fonction C infinie. Sauf que ici, vous avez des fonctions qui sont dans S, donc dans l'espace de Schwarz, et la propriété qu'on veut, c'est que là, vous avez phi qui est dans l'espace de Schwarz, alors si je multiplie par une fonction à croissance lente,
bien alpha phi reste dans l'espace de Schwarz, c'est-à-dire est à décroissance rapide, ainsi que toutes ses dérivées. Et ça, c'est une petite propriété qui est simple de démontrer. D'accord? Donc voilà, et puis la convergence dans S', pareil que pour la convergence des distributions, ça veut dire simplement que pris par rapport à n'importe quel élément de S, Tn de phi converge vers T de phi. Ça, c'est ce qu'on appelle le crochet de dualité, c'est Tn de phi. Enfin, ça, c'est la propriété qui nous intéresse, c'est la propriété de transformée de Fourier de distribution. C'est pour ça que ça a été introduit. On voulait faire une formule, une jolie formule avec les transformées de Fourier de distribution. Eh bien, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas avec les distributions. Eh bien, on est passé avec l'espace des fonctions S, et on va définir la transformée de Fourier d'une distribution tempérée de la façon suivante. La transformée de Fourier de T appliquée à phi, c'est par définition notre distribution appliquée à la transformée de Fourier de phi. Donc la transformée de Fourier d'une distribution, on se retrouve par sa définition même à la transformée de Fourier d'une fonction. Donc ça veut dire quoi pour vous concrètement dans un exercice d'examen ou dans un exercice de TD? C'est que on se ramène des propriétés de transformée de Fourier de fonction à des propriétés de transformée de Fourier de distribution grâce à cette relation-là. Donc effectivement, un exercice de transformée de Fourier de distribution peut être un exercice caché sur les transformées de Fourier de fonction. Si vous avez compris, bien compris, le chapitre précédent sur les transformées de Fourier de fonction, très probablement, vous allez pouvoir résoudre l'exercice de transformée de Fourier de distribution puisque c'est pas différent grâce à cette formule-là. Il y a un lien de l'un à l'autre très simple. D'accord? Donc voilà. Et là, évidemment, quand on fait. Donc là, vous avez la transformée de Fourier, conjuguée. Donc là, ça sont des. Par définition, c'est ça. Ce qu'on imagine, hein, c'est la transformée de Fourier. C'est T appliqué à la transformée de Fourier conjuguée de phi. Et puis, enfin, on a. Un certain nombre de propriétés, mais surtout bon, sur la dérivation, hein, qui sont liées à la dérivée des transformées de Fourier de fonction. Donc ne les retenez pas, mais sachez qu'elles se démontrent très simplement en revenant à la définition de la transformée de Fourier d'une distribution tempérée. Et enfin, je termine par une propriété vraiment fondamentale, c'est qu'on va pouvoir calculer la transformée de Fourier d'une masse de Dirac. En fait, on montre que la transformée de Fourier d'une masse de Dirac, c'est la distribution régulière associée à 1. Et que réciproquement, la transformée de Fourier de la distribution régulière associée à 1, c'est la masse de Dirac. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose, une notion un petit peu intuitive qu'on avait que, effectivement, voilà. Un, ce que vous vouliez, voilà, on avait envie de dire que ici vous avez 1, la fonction 1. La fonction 1, c'est pas défini en tant que distribution, donc du coup, on met, plutôt que la fonction 1, on met T1, c'est-à-dire la distribution régulière associée à la fonction constante 1. T1 de phi, c'est simplement l'intégrale de 1 multiplié par phi. Les points essentiels du chapitre, donc on a vu deux espaces de fonctions, les espaces simplement C infini à support borné, ou bien les espaces infiniment dérivables, donc et à décroissance rapide, pour les fonctions f et toutes leurs dérivées, donc ça c'est l'espace de Schwarz, et puis deux formes linéaires continues sur ces deux espaces-là, en ayant défini ce que c'est que la limite de fonction dans D ou la limite de fonction dans S. Donc les formes linéaires continues dans D, c'est ce qu'on appelle une distribution, c'est l'espace D'. Les formes linéaires continues dans S, c'est ce qu'on appelle une distribution tempérée, c'est l'espace S'. Okay? Donc il faut bien comprendre les différents types de convergence associés aux divers espaces, savoir démontrer qu'une fonction est dans D ou bien dans S, qu'une autre fonction T est une distribution ou bien une distribution tempérée. Avoir des exemples types de distribution, savoir ce que sont les distributions régulières, bien comprendre que les distributions régulières, ce n'est pas toutes les distributions, notamment les masses, les distributions de Dirac ne sont pas des distributions régulières. La distribution de valeur principale,
diverses opérations sur les distributions, notamment la dérivation. Ça, c'est très important pour l'exercice, pour les examens aussi. La formule des sauts, très important. Ça nous permet de dériver une distribution, pas n'importe quelle distribution, mais des distributions régulières, très simplement, en deux lignes. Et enfin, la transformée de Fourier des distributions tempérées, ça aussi, c'est une notion extrêmement intéressante. Mais si vous avez un exercice là-dessus, à part connaître la définition, ce sera surtout, la difficulté viendra surtout d'établir un certain nombre de propriétés sur les transformées de Fourier de fonctions, puisque la définition va permettre de passer d'une transformée de Fourier de distribution à une transformée de Fourier de fonctions. Et là, du coup, la difficulté de l'exercice, c'est la maîtrise du cours précédent sur les transformées de Fourier de fonctions. Voilà, nous avons terminé. Et j'espère que vous avez bien compris tout ce qu'il faut comprendre de ce cours, parce que très souvent, les distributions, pour quelqu'un qui travaille bien ce chapitre, c'est une notion qui est très simple à comprendre, qui permet de rapporter pas mal de points en exercice, mais comme c'est vers la fin de ce cours, les gens n'ont pas le temps de s'investir et donc perdent facilement des points en ne sachant pas résoudre l'exercice de ce chapitre, alors qu'ils sont beaucoup plus faciles que l'exercice du chapitre précédent. Donc c'est un bon investissement. Voilà. À bientôt en TD et en amphithéâtre.